Pour moi, le raï, évidemment, il est né en Algérie. Évidemment, il vient vraiment des entrailles, il vient vraiment de la terre. C'est des gens qui l'ont chanté à une époque comme on chantait le blues. Wahdi, ça veut dire seul. C'est un projet qui est né un peu dans ma chambre d'enfant, on va dire ça comme ça. Sidi Blaabbès, en Algérie, j'étais là-bas pour... Normalement, je suis parti pour une semaine, c'était début 2020. Et d'un coup, ils ont annoncé confinement, tout ça, donc je suis resté 4 mois à la maison, chez ma mère. Du coup, j'avais des santé, j'avais tout, plein de choses. Et puis, je commençais à faire de la musique, comme si le temps s'était arrêté. Pour moi, le monde s'était arrêté, le temps s'est arrêté et que la nature avait quelque chose à nous dire. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas, je le fais tout le temps, cette chose. Quand je fais une soirée chez moi, j'ai des copains qui arrivent, je leur joue des morceaux et tout, je le fais tout le temps. Pourquoi ne pas le faire avec un public? C'est un challenge parce qu'il faut quand même tenir 1 heure tout seul sur scène. Mais je trouve ça vraiment intéressant et ça me rappelle aussi l'époque quand je faisais un peu les mariages, tout ça. Il y avait cette forme comme ça, juste avec un synthé. Il fallait tenir avec sa voix. Moi j'appelle ça l'âge d'or ou le raï des lumières. C'est comme ça que j'appelle. C'était une période un peu courte dans les années 70 où vraiment les musiciens, c'était des garçons qui jouaient un peu dans les mariages et tout, mais de base c'était un peu des rockers, des mecs qui faisaient de la soul et tout. Et à chaque fois qu'ils jouaient quelque part dans les mariages, parce qu'il faut savoir que les mariages, c'est vraiment à l'époque, c'était le seul lieu où on pouvait se retrouver à écouter de la musique et voir un groupe. C'était un peu une sorte de cabaret, quoi. C'était vraiment la scène, on va dire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de concerts dans des salles et tout. Donc c'est vraiment le lieu où on découvre des groupes, où on se découvre soi-même, chanteur ou musicien. Et voilà, et donc il y avait ces jeunes qui jouaient du rock, tout ça, et à chaque fois qu'ils jouaient dans un mariage, les gens leur disaient « Tiens, si vous pouvez nous faire un petit truc local. » Et c'est un peu comme ça aussi qu'ils ont commencé un peu à jouer du proto-raï, des morceaux de Remiti, en allant vers... Mais avec des instruments genre basse, guitare, tout ça, clavier et tout. Et Mazalda, c'est un peu des garçons qui sont intéressés par le vinyle, par la cassette. Ils sont vraiment passionnés par la musique africaine d'une manière générale et tout. Et du coup, c'est pour ça que je pense que vraiment leur souci, c'était de se rapprocher vers une esthétique fidèle à ce son-là, évidemment avec des arrangements un peu à des moments de jazz, à des moments... Et donc cette aventure a fait que elle m'a re-ramené au raï. Moi, à un moment, je m'étais éloigné. J'allais plutôt explorer de la trip-hop, de la jungle, des choses comme ça, parce que j'ai rencontré des gens de Transglobal Underground ou Natasha Atlas, ou comme si on s'éloignait de ses racines un peu pour mieux les retrouver. Le raï, évidemment, il est né en Algérie. Évidemment, il vient vraiment des entrailles, il vient vraiment de la terre. C'est des gens qui l'ont chanté à une époque comme on chantait le blues, parce que c'était un vrai blues. Les gens étaient sur des vignes, ils étaient sur des coteaux, ils étaient en train de travailler comme le faisaient les Noirs aux États-Unis. Ils étaient sur des champs de coton. Et bien là, les Algériens, eux, ils étaient sur des vignes, ils travaillaient pour des colons. Mais ils se retrouvaient le soir
et ils célébraient la vie, tout simplement. Je pense que ça leur permettait vraiment d'aller mieux. Je pense que c'était un cri de souffrance ou un cri d'alarme, mais un peu intérieur, un peu discret et intime, à une communauté, effectivement. Et même en France, c'était la musique de la communauté. Ils se retrouvaient à Barbès, où ils se retrouvaient dans les bars. Rémy Thiès a chanté dans les bars et tout ça, enfin dans les cafés, les bars. Et je pense que c'était vraiment des lieux où les gens se retrouvaient à la Goutte d'Or, se retrouvaient. Et je pense pour la nostalgie, moi-même, quand je suis arrivé dans les années 90, dès que j'avais un coup de nostalgie, j'allais à Barbès. C'est comme ce couscous qui était à la base un plat berbère, c'était de la soumoule et du lait. L'arrivée des Français en Algérie, l'arrivée des autres nationalités et tout, a fait qu'on a ramené des légumes, on a ramené des merguez, on a ramené les pénènes noires, ils ont ramené les légumes dans le couscous et tout. Et du coup, ça fait que c'est un plat franco-algérien. Donc pour moi, le raï, c'est aussi une histoire de métissage, un peu comme le tango avec l'accordéon allemand, alors que le tango, il est argentin. Donc c'est un peu l'aventure musicale et l'aventure humaine. Pour moi, le raï ressemble à l'aventure humaine. Quand les gens pensent que, en France, pensent que c'est une musique de communauté et tout, moi concrètement, ce que je vois, c'est que quand je suis sur scène, quand je chante du raï, je vois des gens de toute nationalité touchée. Ça touche au cœur. C'est une musique, elle n'a pas besoin de se donner une étiquette ou un nom. Elle touche, c'est tout. Les jeunes en Algérie, aujourd'hui, ils sont très connectés. Ils sont très connectés comme tous les jeunes du monde. Peut-être un peu trop connectés même. Parce que du coup, ce que je vois, c'est que nos jeunes, c'est le monde qu'on leur a offert finalement, c'est le monde qu'on leur a donné. Ils ont une vitesse de calcul qui est assez rapide. Nous, on est des Windows 98 à côté. Je les trouve courageux parce qu'ils affrontent un monde qui n'est pas facile, et ils s'adaptent très très bien. Les jeunes qui me touchent en ce moment en Algérie, c'est vraiment, il y a toute une jeunesse qui est créative, qui dessine, le street art, il y a aussi des designers, il y a des stylistes, il y a toute une jeunesse comme ça qui est nouvelle, qui bouillonne, parce que l'Algérie est juste en face et elle est à nos portes et elle dit je suis là moi aussi. Récemment, il y a une ministre de la Culture qui est rentrée dans le gouvernement et tout. Bon, moi je la connais pas spécialement. Mais je vois qu'il se passe des petites choses, alors peut-être parce que c'est une femme, je ne sais pas, parce que ça a toujours été dominé par des hommes et tout ça, la politique en Algérie, comme partout en fait, pas qu'en Algérie. Et il se passe des petites choses et tout, et on a envie d'y croire évidemment, on a envie d'être, plutôt que râler tout le temps, dire oh, « c'est nul, ils sont… » Être tout le temps dans l'opposition, ça ne fait pas forcément avancer les choses, parce qu'en attendant, on ne fait rien, nous.